Bonjour. Bonjour. C'est Red Foutouane avec ce qu'elle dit en voice chat avec moi. Aujourd'hui, on va continuer ça. Sinon, comme avertissement, comme que je fais au début des vidéos, quand c'est le premier que vous tombez sur YouTube, fait qu'on archive nos streams là. Le jeu est en anglais, sous-titré en anglais. Par contre, nous, on parle en français ensemble, puis on traduit les textes en français, puis les discussions qu'il n'y a pas de voice acting, qui a date qu'il n'y a pas eu dans ce moment, me semble. Dans le fond, on fait ça avec la majorité de nos jeux, c'est pour aider les Français avec leur anglais, puis les quelques viewers anglais qu'on a qui connaissent le français avec leur français. Sinon, c'est ma première fois que je joue le jeu Soma. Par contre, j'ai déjà vu quelqu'un le jouer dans le temps, qui venait juste de sortir. Ça fait un bout. Qui était mort. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un bon bout. Il y a bien des choses que je me souviens plus. Juste qu'est-ce que je joue le mois passé, il y a bien des choses que je me souviens plus. Fait que, là, on est rendu à Omicron. Puis, on est en train d'essayer de prendre une soute, un habit de plongée, dans le fond, pour aller dans les profondeurs, dans l'abysse. Pour aller à. Je me sais plus faire, non, c'est ça? Je sais plus. Peut-être, je me souviens pas. En tout cas, pour aller continuer à aller porter le. Aller continuer avec le arc, je vais aller le porter pour l'envoyer dans l'espace. Désolé, j'ai eu un. Si on venait de rentrer dans la place, on avait eu une hallucination en chemin en s'en venant vers ici. Puis là, quand on est rentré dans cette pièce-ci, la porte s'est fermée derrière nous, puis on ne peut plus sortir maintenant. On avait lu ces trucs-là aussi avant de quitter, mais je vais mettre Catherine, puis on va les toucher quand même après, pour être sûr qu'elle ne fait pas de commentaires sur ces affaires-là, puis qu'elle fait une photo avec elle dedans, puis tout. Bonne idée. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ça va être moins pire que qu'est-ce qu'elle a vu tout le temps, je pense. Ouais, c'est ça. Comme on avait découvert. Je pense pas le dernier stream, je pense l'autre d'avant. Qu'on est comme le corps d'une personne qui était. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On est le corps d'une personne avec un casque de plongée, justement. Mais c'est comme des affaires de plongée basiques. Me semble que c'est peut-être une personne là-dedans, mais. Pas que non, ce serait pas probablement cette photo-là, si les gens se sont rendus jusque-là. Je me souviens que c'était la personne que Catherine elle disait qu'ils auraient pu être des amis dans un autre temps, mais. Ok, c'est pas tout. Je sais pas si c'est parce qu'on les a What are déjà you vus waiting avant. For? Find a power suit and let's get on with this. Ben. On peut activer le terminal là. On peut ouvrir la porte là, mais je pense pas que c'est une bonne On idée de l'ouvrir s'appelle dessus. Imogen Reed. Non, mais ta gueule! Je vais aller la chercher, la soude. Tu vas être contente? God.
found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor. Bah, bien though. Ça fait arracher, mais... Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Dans le fond, on est-tu une soupe comme ça, carrément, genre? Personne que le corps s'est fait... Pas le corps, mais la tête s'est fait arracher. Il me semble qu'on a la moitié d'un crâne, en fait. Je me souviens bien des scans qu'on a eus. Puis, bonsoir, Métis. Bonsoir, Métis. C'est Raleigh Herba. Pas prononcé pour une fois sur 60%. Qui était un dispatcher d'un micro. Le stream est tout le temps. Mais je pensais que c'était ce programme-là qu'il fallait que je fasse. Le stream a tout le temps été 18 ans et plus. Là, c'est un jeu d'horreur, en fait. Hein? Cracking, tu comprends pas où est-ce qu'il y a d'autres sauts d'actifs? Et c'est puis en bas. Genre, il y en aurait une déjà dans la Clamber Station. Puis il y en aurait une à Tau. Ah, c'est Tau qu'on va aller, justement. On va aller à Tau. Ouais. Tau. On peut activer des pods. Ça, c'est ceux qui ont fait de nous autres, je pense. Mm-hmm. Avec nous, c'est la D. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colony, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think they'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Fait que c'est comme toutes les autres, ça disait que la soute était manquante. Hein. On va trouver le même menu, puis on va aller là. Oh, c'est trouvé? Ah oui. Fait que c'était-tu elle qui nous bloquait? Probablement. Fait que c'était... C'était par rapport justement au power suit, aux habits qui vont dans les profondeurs. L'information. Les power suits à de haute pression sont garantis de réussir à prendre des températures qui vont de 50 degrés Celsius à moins 75 degrés Celsius, tout en gardant une température stable de 40 degrés Celsius qui est comme défaut à l'intérieur. Déjà 40 degrés Celsius à l'intérieur. Hein? C'est chaud. C'est ça, il doit faire chaud en crise, dedans. L'habit va automatiquement protéger le porteur des pressions, puis maintenir la normale de 1 ATM jusqu'à une profondeur de 5000 mètres. Puis l'ordinateur, dans le fond, qui contrôle l'habit va surveiller, dans le fond, l'état de physique du porteur de l'habit. Puis va être capable de minimiser les risques de choc, d'hyperventilation, puis même de déshydratation. Pratique. Oui, c'est ça. Ça, c'était information. Là, on a usage. L'habit est facilement assemblé à travers, par, dans le fond, un coup qui bouge, qui se tourne. Une rotation de coup. Ouais, c'est ça. Comme qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, des anneaux qui vont comme fermer, dans le fond, les. Qui vont comme.
sceller les gants puis le casque en place. À noter que les joints ne vont pas se sceller, sauf si le contrôleur est capable d'identifier le porteur à travers un système de sensoriel. Déjà là, c'est ça, on n'aura pas le choix d'avoir le corps de quelqu'un d'autre, sinon ça ne marchera pas. Mm. L'habit peut être fermé, mais pas fermé. Pas embarré. Ouais, peut être barré pour des personnels spécifiques. Mais comme défaut, l'habit va accepter n'importe qui. Ok, fait que finalement, peut-être que ça aurait pu marcher quand même. Puis sinon, on a le contrôleur, comme l'ordinateur, dedans. Donc, le contrôleur, c'est l'ordinateur à l'intérieur qui va monitorer le pouls, l'activité du cerveau, la température du corps, puis le stress à travers des... Les conduits de la peau? Ce serait pas vraiment conduit, je pense, mais mettons qu'on va dire ça. Ça utilise cette information-là pour permettre au porteur une expérience la plus sûre. Ce serait l'inverse de la résistance électrique d'un conducteur. Puis conductance, ça marche en français puis en anglais. Ah, ok. Je vais juste aller ouvrir ma première porte vu que la fan ne marche pas. Mm-hmm. I'm back. Welcome back. Ooh, hi back. Merci. Don't forget, we need a cortex chip, structure gel, and a power pack to get the suit ready. Après, ça date, le structure gel, comme pas l'air d'être comme une affaire super... le fun à utiliser, genre. Il y a des personnes qui sont devenues accro à ça, genre. Ça me tente pas trop d'utiliser ça, t'sais. Accro? Ouais, il y en a qui étaient comme « Ah, je veux plus de structure gel! » Tu te souviens pas? On avait des robots qui étaient comme « Où est-ce qu'il y en a de plus? J'en veux plus! » Blablabla. Ah, ok. Ça, on peut déjà le voir aussi, techniquement, mais je vais dire que là, on a 24, on a quelque chose à ramasser. Capicule de structure là, genre. Peut-être avoir plus de portes activées puis qu'elle a comme plus de contrôle ouvert l'électricité. Entends-tu des bruits, moi? À peine. Ok, fait que là on peut comme passer par-dessus, je pense. Oh, ok. Je suis accrochée, mais. On peut passer par-dessus la sécurité, probablement. Là, on a trois étages, apparemment, aussi. On va avoir des pièces à visiter. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on est dans le milieu.
puis il y aurait comme en haut puis en bas. Mais pourtant, ces portes-là, on n'a pas l'air de... Oh. Les débloquer. Mon personnage, j'aime vraiment pas ça aller là-dedans, pardon. Il y a eu des hallucinations à cette place-là tantôt, fait que c'était ça. Bien sûr, j'imagine. Fait que Lizard, de... Buffy, mettons. Jacob Halperin. Ça dit que il y a un orange Buffy qui était comme endormi d'une façon pas habituelle, qui a été trouvé comme en train de flotter à l'extérieur de la substation Omicron. Il avait un remarquable grandissement de ses os qui semblait interférer avec sa perception. Ils l'ont emmené à l'intérieur pour l'étudier, mais il s'est recroquevillé, puis ben, il est comme devenu solide, genre, puis il est mort dans le processus. Durant l'étude post-mortem, la chose est revenue à la vie pendant qu'il était à l'extérieur de l'eau. Il continue à bouger pendant quelques minutes, fait qu'il est retourné dans l'aquarium. Puis il a instantanément commencé à cogner sur la vitre. Puis dans le fond, il s'est cogné comme ça jusqu'à la mort avant qu'il puisse le relocaliser. Shelley, mort à l'arrivée, c'est Claudia Ames. Darby et Waldeck qui l'ont identifié comme qu'est-ce qui a sabotagé le probe Lumar à peu près 9000 mètres de profondeur. 900 mètres. Petite différence. Vas-y. C'est un rudderfish long de 150 cm qui a l'air d'avoir mergé. Comment je peux dire ça? En français? D'avoir fusionné, je pense qu'on dirait plus. C'est mieux. Avec quelques autres sortes de poissons ou requins. C'est la plus bizarre forme de mutation qu'on a vue jusqu'à date. C'est clair que ça commence à devenir pire. Quelque chose cause ceci. Puis moi, j'achète pas le non-sens de dépôt radioactif que Orvary arrête pas de dire. Joanne Ross, mort à l'arrivée. Encore là, c'est Claudia Haynes. L'homme mort trouvé sur le climber ce matin. Le climber, c'est comme l'ascenseur qui va nous permettre d'aller justement dans la baie. A été identifié comme Joanne Ross. Le psychologiste de AI qui travaillait à Tau. Je peux pas commencer à imaginer qu'est-ce qui est arrivé en bas dans la baie. Puis pour être franche, je vais pas risquer de perdre mon équipe en allant en bas là pour voir. Si l'équipe de Ark est encore vivante, chose que je doute fortement, il va falloir qu'ils trouvent une façon de nous donner un signe. On va pas en bas encore sans une bonne raison. En parenthèse, Ross, c'est le nom de la personne qui nous a parlé quand on est arrivé ici. Ah ouais? Ouais. De l'hallucination, là. Et ben, notre souvenir de ça, là? Ouais. Let me in! Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais pas le choix d'ouvrir les portes. Ici. On peut aller dans le bas.
On commence par le pays, en bas, j'imagine. Ouais, vas-y. Mm-hmm. Que je fasse quelque chose, hein? Ça me stresse les murmures tout le temps. On va recommencer ça? Ok, ça va. Fait que, le premier glitch qu'il y a eu, c'est, on a vu vaguement bien rapide que ça disait on souffle. Je sais pas si vous avez remarqué. Nope. J'aurais dû. Fait que des fautes qui sont trouvées. Dans F3, la pièce de justement d'électricité. Puis la cause, c'est une surcharge du système. Fait que genre, faut qu'on. Je comprends pas comment c'est que je fais ça. Je les lis comme tout ensemble. Ensemble? Finalement, ben, on a réussi à ouvrir les portes aussi, apparemment. Pas de contaminants étrangers dépassés ça. On est sûr, pas de mineurs? Ouais, c'est ça. On n'est pas un contaminant. Nice. On est encore safe, apparemment. Mm-hmm. Même si je suis pas mal sûr qu'on est pas mal contaminé par le wow. En théorie. C'est déjà là. La douche d'urgence. Je pense que ça n'a pas marché ton affaire. Je pense pas non plus. Déjà là, quand on voit nos mains, si tu vois qu'on a les taches comme bleues, genre du orange. Mm-hmm. Puis comme toutes les fois qu'on s'est hurlé, puis que ça faisait comme les affaires weird. Hein? En 3 heures, c'est tout. Mm-hmm. Après 3 heures, ouais. Après 11 heures. C'est fou. C'est rapide. 26 ans. Ah! J'ai déjà essayé les autres tableaux de cliquer, puis ça faisait rien, jamais rien, en tout cas. Lui, il se dit en haut. Ouais, c'est ça. C'est dit en haut à gauche, à tête. Qui dit peut-être comme touch, que ça qui fasse un peu, mais le reste, on va prendre. Une recherche de structure, la formule de test. Dans le fond, comment est-ce que c'est placé? C'est une carte mère, puis une batterie, une mini-batterie. À droite, ça dit un choc systémique, en parenthèse, mort. Les circuits sont imités? Mimiqués? Non, je ne sais pas. Mimités. Ou imités? Imités, moi, je pense. Regarde les résultats précédents. Puis l'autre, ça dit moins que idéal. Genre de ces affaires-là. Peut-être. Il y en a mis sur des rats. Au moins, il a commencé par des rats puis pas des humains. J'imagine, moi. Ouais. Connectivité. En fait, check la date puis regarde à quel bas commence. Take the gel. Ouais. Ouais, là, ça l'a dit, prends le gel. Ça commencerait là.
Fait connectivité. Lisa Cameron, 2103, le 23 février. 23 mars. Mars, oui. Faut l'arrêter. fait que cette le jeune de structure a été chargé. Puis actuellement, ça le garde pendant un bout de temps. Même quand on le retire de la source d'électricité. Si on l'applique à un circuit, ça semble aider à avec la connectivité. Fonction. C'est par Lisa Cameron. Ah là, j'ai pas eu le temps de le voir. Get de virus. J'ai pas le temps. Get de quelque chose. OK. Là, ça, c'est juste deux jours après. On dirait que c'est pas juste la connectivité, mais même la fonctionnalité. Le gel peut faire marcher des simples machineries, puis les faire agir de façon plus efficace. On souffre. Par contre... les modifications que le WoW a fait au gel sont pleines d'informations extra qui font pas nécessairement sens. Quand appliqué sur quelque chose de plus compliqué, ça cause que le gel... Ça cause le gel qui agit comme un cancer sur l'autre. Puis éventuellement le ruiner. On pourrait utiliser le gel à notre avantage, mais il y a besoin d'être décalibré pour retirer dans le fond les mauvais codes. Pathologie. Jacob Alperin, 2103, le 7 mai? Non. Ouais, mai. Le 7 mai. Ils ont appliqué le gel sur une souris morte. Le gel a causé de faire apparaître la souris comme vivante. Il a été mis dans le même habitat qu'une souris vivante. La souris réanimée était apathique. Pendant que la vivante semblait être stressée. Après 15 minutes, la réanimée a attaqué puis tué la souris vivante. Puis 30 minutes plus tard, la souris réanimée avait arrêté de bouger. Le corps était solide quand le gel, dans le fond, s'est mis à se solidifier à l'intérieur. Là, il était marqué « Destroy the WoW ». OK. Je suis comme occupée à lire l'affaire en arrière, fait que je ne réussis pas tout le temps à lire qu'est-ce qu'ils disent en amont. Mm-hmm. Fait que détruire le WoW, apparemment, comme ça. Fait que progrès. Jacob Alperin, c'est le nom de la personne. Ouais. Puis c'est... An Eternal Nightmare. Hein? Un cauchemar éternel. OK. C'est genre quasiment deux mois plus tard. Le 2103, le 9 juillet. Ouais, écoute-moi. Non, mais t'es gossant, hein? J'essaie de lire des astuces d'affaires, lâche-moi. ils ont réanimé une autre souris avec les jeux de structure. Cette fois-ci, c'était fait avec un gel décalibré, comme qui a été produit par Ames. Les résultats étaient impressionnants. La chose apparaissait catatonique, mais c'est plus comme un
un somnambule. OK. Mais c'était plus comme un somnambule. Pour éviter que la chose se solidifie comme avant. Comme avant, les électromagnétiques. Les électro. Les aimants. Aimants électromagnétiques. Non. Magnétiques. Bon, des trucs électromagnétiques qui étaient utilisés pour causer un courant électrique bas à l'intérieur de l'animal. Ça nous a donné aussi l'habilité de, en quelque sorte, le contrôler. Alors, ils commençaient à faire des affaires étranges là, aussi avec le wow, là, ils se sont pas aidés pantoute, là. Avec les structurels et tout, là. Ouais. Fait que le wow a appris. Analyse chimique. Paula Lansky, 2103, le 12 décembre. La structure gel reste inchangée sur un niveau fondamental. C'est encore le gel entrecroisé de lié. Avec un graphène aligné dans une matrix polyinsaturée qui a été installée à travers Pathos 2 il y a quelques années de ça. Le problème n'est pas le gel, mais son contrôleur, le WOW. Le gel n'a pas pris de nouvelles propriétés. Le WOW l'utilise simplement d'une façon qu'on ne pourrait jamais rêver de le faire. C'est une nouvelle personne encore. Donc, les études des résultats, c'est par Claudia Hines. C'est le 19 décembre, juste quelques jours après l'autre. Les évidences. On dirait overwhelming déjà. Change les sous pour la langue. Mais... Accablante. Écran irrésistible de fuck. Écrasante. Moi, ouais, je pense que ça peut être écrasante. Moi, ouais, en tout cas, il y a de nombreuses évidences, mettons, qui concluent que toutes les créatures déformées, les poissons, les requins, puis même les aidants, ont été manipulés par le WOW avec le structure par le structure gel en fait, à travers donc, le structure gel. Ils ont d'une certaine façon été exposés à un gel chargé puis en retour ça les a comme accablés dans le fond d'une d'un des... Pas des pas boosts, grandissement, mais... Cancerous growth. Des croissances? Ouais, c'est une croissance cancéreuse qui a affecté leur être en entier. C'est difficile de demander pourquoi quand on parle d'un AI. Mais ça a tout commencé après que la comète a tué, dans le fond, la surface. Je peux pas dire pour certains si c'est un mauvais cône ou un... tuerie par merci programmée. Mais... on dirait qu'il va pas rendre les choses faciles pour nous de survivre. Effectivement, s'il n'arrêtait pas d'achaler le monde avec les hallucinations de même. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est un groupe de tests. La méthode, c'est
La structure gèle comme un connecteur, puis une interface entre énergie pâle S3, puis un tissu organique. Puis là, après ça, ça dit en bas qu'ils n'ont jamais vu quelque chose là, d'aussi rapide que ça. Il y a quelque chose dedans qu'il faut ramasser, apparemment. C'est du gel, on dirait. Mettre du gel là-dessus, mais pourquoi? C'est quoi qu'il y a dans le troisième cubicule? Oh. C'est qu'on fasse un test sur un rat? Moi, j'ai rien dit. Moi, je voulais juste vérifier c'était quoi qu'il y avait là. Voir à quel point qu'il va mourir vite. Voir à quel point qu'il va bouger, qu'il va s'animer rapidement. Il y avait un piton rouge sur la place, je sais pas si tu voulais l'essayer pour de vrai. Je sais, mais en fait, c'est pas vrai. Ben ouais. Science. On va voir sur le truc. C'est-tu que c'est rapide? C'est encore plus vite que qu'est-ce qu'il montrait dans la photo là-bas. Something like it. On peut-tu racheter d'autres gels? Si on en met du gel sur ça, on pourrait checker. Ouais, mais si c'est un affaire que j'ai besoin, je vais pas mettre du gel là-dessus. Ben, tu peux le prendre? Non, on dit pas. Parce qu'il nous fallait une carte, là, justement. Il nous faut une batterie, du gel, puis... Je me sais pas quoi. Si on le met juste dans le vide. C'est vrai? Tu veux, je pense. C'est pas bien. Je m'en souviens pas. La température, c'est moins 20 degrés Celsius, puis le gel est décalibré. Oh, nice! Là, ça dit que la carte de contrôle est mal fonctionnelle, puis le service est réglé. Fait que tu veux absolument que je mette le gel dedans. Ça va-tu marcher si t'as pas fermé? Ouais, ok. Ça le fait automatiquement. J'ai oublié de... Il va-tu être encore uncalibrated? J'espère que oui. Ouais, ça a des grandes chances d'affecter le gel, moi. Ben, peut-être pas s'il est enfermé comme il faut, puis si on pogne assez vite, tu sais.
un Owen. J'aurais pas pensé pognon des affaires de même aussi vite que ça. Mais... Ben, c'est quand même petit comme place. Genre, c'est grand, mais c'est petit. Ben, on a trois étages. Ben, peut-être un à chaque étage. Peut-être juste été chanceuse. Vaguement. Fait que Ross s'est enfermé là-dedans? Je penserais pas. C'est, je pense que c'est peut-être juste sa plateforme pour apparaître, mais... Peut-être. C'est ça. Fait que là, on a un nouveau site qui s'appelle Alpha. Mm-hmm. Let me. Ensemble, je sais que ça va marcher. C'est ça, là. Rentrer les deux choses ensemble. Ouais, ouais. On voit les poissons affectés. Hein? C'est cool. Ah, l'échelle de la destruction. De... C'est sûr, les morts qui faisaient un test dessus. Pardon. Ici. La destination qu'on a présentement, moi que j'ai vraiment besoin de m'aigler, je pense que c'est une bonne idée dans la vie. Mais oui. The patrol can save you. Mm-hmm. Je pense que c'était peut-être un bon idée aussi. C'est qu'on peut pas rien faire finalement pas. C'est pas le système genre qu'on a fait au début. Ben, il y a des marches pour descendre, puis apparemment il y a des marches pour monter. Ben, il y a dans le sous-sol, il peut rien. Ouais, alright. Déjà, on peut aller tellement loin, là. Ouais, vas-y. Passer aussi par le système ici. Ok, il faut choisir vraiment spécifiquement là sur le fort que tu veux le faire, apparemment. C'est. Tu sais justement qu'il était comme. Pas en quarantaine, mais que c'était fermé, genre. Fermé de force. J'ai jamais vu des trucs de même, puis je me demandais si elle a dit des commandes. Mm-hmm. Pas mal. Pas sûr que ça s'affiche ici, mais ok.
Mais voyons. Je sais pas pourquoi c'est lumière rouge ou c'est le maintenant du tunnel qui dit des affaires le même. Do not touch the machinery without ends. Without safeguard? Safeguard, ok. You okay, my dude? On peut même pas le tourner off. Wow. Oh. Énergie pâle. Est. Un pack de lithium sulfure rechargeable de haute performance. Fait que c'est utilisé en fond sur les connexions de Imatsu. Les exo-rigs puis les power suits. Ah, les outils plutôt connexion Imatsu. Ça dit qu'une fois que la charge est vidée, tu peux la recharger sur les charges de Imatsu N5 ou d'autres chargeurs compatibles de l'histoire. Fait qu'il va falloir venir en charger ici. Oh, il y a un chargeur là, fait qu'au moins, on peut se recharger. Il est ok là? Je pense pas. Je vois pas, mais je pense pas. Ça va le faire mal en tout cas. Au moins ça a bougé. Getting the air out! Ouais, on dirait quasiment un monstre de dive, le Wittin. Poison the well? Poison the pool? Fait qu'il y aurait un point quelque part. Ou une source, j'imagine. Pour aucune raison. Une belle cafétéria. Ouais, ouais. On n'a pas encore rien vu que. Techniquement, la. Pas moi et plus. Non, c'est pas. Je suis assez cher à ça. Moi, c'est ça, sur le Madou, ça va long. Johan Ross was found dead on time this morning.
The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. The ARC team went down a couple of days ago, but incapable d'établir les liens. Message n'est pas envoyé. On a des documents aussi. Évacuation de Tau. Le 13 septembre, Vic O'Clair a ordonné à l'équipe de Tau d'évacuer puis de monter sur le plateau. Ensemble avec l'ingénieur Alan Waldeck, je suis descendu dans l'abysse pour assister à l'évacuation. Suivant le protocole, nous avons attendu à la plateforme de Climber pour 140 minutes. On a fait plusieurs attentats pour contacter le Tau. J'ai décidé d'aller vers le site, pensant que je pourrais les intercepter. C'est là que j'ai noté, que j'ai remarqué les lumières guidantes qui pas scintillaient. C'est genre qui s'allume et qui s'éteint, mais... Vacilla? Ouais, vacille, mettons. Tremblement, ciment. Ça flicker une light. Lumière vacillante. Fait que... Puis, pas longtemps après ça, le chemin en entier s'est éteint. Le secteur Oméga avalé par la noirceur. J'ai continué avec ma grosse lampe torche, mettons. Jusqu'à temps que j'ai entendu des personnes crier à une petite distance de radio. J'ai continué. En étant comme à distance radio par moment, puis par moment de non, je sais pas comment dire. Puis quand je me suis dépêché plus proche pour investiguer, je suis arrivé sur un corps lacéré du travailleur sur place, dans le fond, de Espinoza. Quelque chose de gros l'avait quasiment coupé en deux. J'ai considéré l'importance de sauver Tau, puis plus spécifiquement Ross. Pendant que j'entendais les collègues d'Espinoza se faire massacrer dans la radio. En voyant aucune façon d'améliorer la situation, je me suis dépêchée à retourner vers le climber
Puis j'ai laissé les gens de Tao faire face à la question. Carte note. Je sais pas si ça devrait dire quoi comme abréviation, carte. Ah, peut-être Carthage? Peut-être. Je sais pas Carthage, c'est quoi ça veut dire. C'est une place, me semble, mais... Attends. C'est une place. Puis y a pas de terme en français? Carthage. Avec les notes de Carthage de Tao. Avec un peu de chance, Ross est retourné à Tao et est capable de continuer son travail à Alpha. Pour éviter d'autres dérangements. Oups. J'ai accroché le piton. Il n'aurait pas fallu. Oh. Ouais, c'est ça. Pour éviter d'autres dérangements, j'ai décidé de reporter l'évacuation comme un échec complet. En espérant que ça va arrêter Theta d'essayer comme une autre évacuation. Claudia Ames, la directrice de Omicron, a déjà ordonné que le Clamber reste au plateau pour l'instant. Mon rapport sur la vie sauvage a fait assez peur à tout le monde que ça a même arrêté Waldeck et Darby d'aller continuer à s'occuper des probes Lumar. C'est une bonne chose que Galaski est hors site. Parce que j'ai l'impression qu'il n'approuverait pas de ça. Les restrictions sont devenues. Sont sorties un peu plus sévères que j'avais anticipé, mais je vais le prendre. Aussi longtemps que Ross est laissé seul pour travailler avec le WoW. Sinon, Carthage se dit qu'il y avait Julia Dahl. Johan Ross et Marc Sarang. Mais Marc Sarang, il est mort à Pippa. C'était pas comme le premier, genre, qui s'est tué pour la continuité ou whatever? Ouais. Attends, c'est lui que. Oh, Carthage, apparemment, ce serait Carthage Industrie. C'est un conglomerate. Ah, ok, c'est comme l'industrie, probablement. Ok. Qui ont fait genre comme les affaires ici. Ouais, peut-être. Sarang, c'est celui qui s'est suicidé après son brain scan avec une gomme qui avait du cyanide. Oh, c'est ça, fait que me semble que c'est le premier qui s'est suicidé, ça. Me semble, ouais. Entrée principale. Apparemment, Sarang, ça dit love en coréen. Ouais. Ah. Je vais achumer. Achou! Attention, j'imagine un peu quand même au col, mais c'est pas moi sûr qu'on n'entendra rien vu que leurs têtes sont toutes explosées. Une fille, ça. En même temps, la boîte noire est là. Sarang, Sarang, hey. C'est je t'aime. Ah, ok. Knowledge. Genre, Sarang, ce serait comme plus amour, genre. Puis Sarang, c'est je t'aime, genre. Ah, ok. Comme aimer, genre. Ta face est vide, dude. Quand même spécial, hein. Je sais pas ce qui est arrivé pour que ça explose tout de même les bottes. Pas moi. Je m'imagine que ça dépend peut-être s'il est fait avec le WoW ou pas. La structure, ouais, peut-être.
qui a comme fait une affaire d'autodestruction. Peut-être. Bienvenue au site Omicron. La facilité de recherche médicale, la mariculture avancée, puis la maison du ACR. Le. Dans le fond, comme l'ascenseur, là, le clameur de la piste. Amusez-vous bien ici. On s'amusait bien ici. C'est super. Ça, c'est pas le fun, voyons. Il y avait un corps ici, non? Moi, je me trompe de place. Je sais pas qu'on a vu des corps humains à date à cette place-là. Il me semble qu'il y avait un corps, mais moi, je suis pas mal sûr. Peut-être qu'il bougeait. Il y en avait un. Ouais, vous gardiez pas ça trop propre, là, mais en tout cas. Ouais. Hey, Andrea? Yeah? I was talking to Cameron about protein solubilization. Do you think we could break the aggregate and structure gel without flattening the configuration? Jesus. That was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Blame me for trying to figure this out. I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this? Sorry. I just. Sorry. Il est rendu ben trop autonome, là. Ce serait rendu trop impossible, je pense, de l'arrêter. Ouais. Fait que finalement, ta théorie que les trucs orange pour barrer les affaires. Ouais, marche pas avec ça. Ça a été prouvé que non. Juste maintenant, effectivement. Ouais. Fait que c'était vraiment Ross qui était enfermé dans la foire vide, là. De vitre. C'est pour ça qu'on entend nous parler. Donc, on va la faire pareil. Ok. Tu veux-tu. Que je te dise les théories que le monde a dit à propos des black box et pourquoi les têtes ont disparu? Si c'est sûr qu'on n'a pas aucune information de part qui pourrait nous emmener à nous-mêmes faire une théorie. J'imagine, oui. Peut-être peu. Même que c'est tellement pas une bonne idée qu'on enlève les quarantaines partout. Mais oui. Voyons. Il est comme rendu pas bon. C'était cool, là. Ouais. Okay. Ben, on a déjà été témoin du moment où qui parle de ça, fait que techniquement, ce serait correct. Ben, il y en a un qui disait qu'il avait mal à la tête, même, puis tout ça, puis... Ben, c'est surtout... Il y en a une, je pense, c'est celle qui était sur la table dedans la...
pas la cuisine, la... Et ça fait boum d'un coup. Ouais, c'est ça, parce qu'elle était en train de dire que Raleigh était en train de checker alentour, de snooping around, puis elle voulait amener le gel à Alpha, puis c'est là que tout le monde a décidé de exploser. Fait que c'est comme une commande qui a été faite à cause qu'il voulait aller à Alpha, genre? Je pense que c'est le WoW qui a comme décidé de faire ça parce qu'il voulait pas que amène le gel à Alpha? Ouais. Okay. Si je comprends bien les théories que le monde dise, là. D'accord. Ça dit, c'est malade, Alpha a besoin de médecine. Dans l'abysse, amène-le à Alpha. Dans l'abysse. Ben oui, je m'en viens de voir. Chacun son tour. Je voyais en arrière, on voit qu'il y avait comme la possible place d'Alpha, genre. Puis c'est le dessin peut-être de la place d'Alpha, je sais pas. Parce que rapidement, tu vois que c'est comme un triangle qu'ils ont mis là aussi, comme des bords. C'est des cheminées, ben, voilà. Avoue que ça ressemble à des bords. Mm-hmm. Trouve Tao, trouve Alpha. Prends le gel, amène le gel à Alpha. Le cœur d'Alpha. Ok. Fait que c'est des affaires comme de messages qui sont envoyés ou comme emmenés à ces places-là. Fait qu'un qui est emmené, je pense, à Theta. Mm-hmm. Envoyé plutôt à Theta. Attends, on va commencer par le plus vieux avant. Fait qu'un qui est envoyé. Désolé, j'ai un code. Un qui est envoyé à Pi. Puis c'est le 28 décembre 2103. Unable to connect. Lumar relay out of range. Fuck you. Wow. Un qui t'a envoyé à Tao, le 28 décembre aussi. Tao, please respond. This is Raleigh Herber calling from Omicron. Please respond, Tao. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Un qui vient de AC1. Le 25 décembre. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. T'entendais comme en arrière sur des baleines. Mm-hmm. Puis un qui est envoyé à Theta le 16 janvier 2005. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Raleigh Herber leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Stay safe. Je pensais que ça avait fini, la chance, ça continue. Mm-hmm. Bonjour, là. Toujours intact. Diagnostic de la carte Cortex. C'était ça qu'il nous fallait? Injecter. Ouais, je pense. On pourrait injecter la carte Cortex. Il y a quelque chose dedans? Oh, au moins. Mais... Ben, où, comme ça, la carte? Dans ma chaîne, j'imagine. Si on regarde la caméra.
pas plus normalement. C'est quoi qu'il peut faire? Genre, faut que t'emmènes que les trucs sont reliés. Comme ça ou? Peut-être qu'il faut que tu suives les remplis en quelque part d'autre. Ou que t'emmènes les vides en quelque part, je sais pas. Les vides, ça serait weird, là, parce que ce serait trop facile. C'est ici. Fait que ça, c'était comme vraiment comme communication sur ses moteurs, puis c'est ça petit. Je vois juste pour checker si tout va bien, puis là, tu l'éjectes. En théorie? Ah, peut-être à place de mettre tout ça à on, il faut que tu l'envoies en bas. Ah, peut-être. Hein. Ah, bon. Bonne théorie. Merci. Ça dit que le cortex a été en retirée, puis il n'y a pas de signal vers l'autre. Tu comprends pas pourquoi les jeux vidéo. C'est quoi les jeux vidéo ont avec les affaires caritatives? Il y a du monde qui les joue, qui se font. Qui font des donations? Ou c'est. Deux des deux. Des personnes qui font des jeux? Puis que les donations qu'ils reçoivent à ce moment-là, ils sont envoyés directement au aux compagnies caritatives. Il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent des gens comme jouer à des jeux vidéo aussi, puis tout, fait que des YouTubers puis des streamers là que ils ont donné là, tellement ça de donations à des affaires caritatives, justement, à cause que leurs viewers ont fait pas mal de donations et tout. Normalement, ils mettent des sites, ils mettent des liens pour les sites, justement, pour pas... Ouais, c'est ça, comme quelqu'un qui le fait comme il faut, l'affaire de donation va te donner comme le site avec l'information, c'est comme c'est pourquoi c'est truc là, puis genre comme... Il donne toutes les informations pour. Ouais, c'est ça, il donne toutes les informations. Là. Si la personne a donné presque pas d'informations, moi aussi, je fais pas confiance. Mm-hmm. Mais si c'est une personne qui donne l'information en masse, tout c'est envoyé à ces affaires-là. Là, parce que s'ils se font avoir, là, de toute façon, ça les mettrait bien trop dans la merde. T'es pas bougé, non? Apparemment, lui, il veut. Comme des grands... des grands streamers ou youtubeurs, là. S'ils n'envoient pas ça pour vrai à des affaires de donation qu'ils disent. Je vais pas revenir rendu, là. It move. Je suis contente d'avoir ouvert la porte déjà ici, sinon ça l'aurait sûrement attiré. C'est vrai.
toujours pareil. Shut the door, Cap. Lock it up. What's happening? Lock the door. It's locked. What's going on? Rode, j'ai pas fait de bruit, peut-être t'étais pas censé donner. We have everything we need, right? Yeah. That's good. Why? This is crazy. Don't worry, it'll work. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. All right, try activating the seat from the terminal again. Ah, vas-tu bouger tout seul déjà pour commencer? C'était D. Hein? Me semble. Tout ça? I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Elle l'a fait relativement sans problème là, de passer comme à... juste comme cette affaire-là, puis... Mm-hmm. Parce que c'était juste une image. Il tourne pas en rond pour vrai. Ouais, moi aussi, là, je serais jamais une grande streamer. Là, sinon, j'en ferais là, des affaires de caritatives. We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip. Run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Tu le flattes. Tu le rends plus flat avec ça là, mais il sera pas plus haut. Ou en tout cas. Ok, voilà. Already? I have everything under control, so please have a seat. Mais on fait quoi avec toi? Moi, je laisse là-dedans. Avec qui? Go sit in the pilot seat. Non, on va sortir de là, on va se transformer dedans la machine, dedans l'autre corps, puis après ça, on peut prendre. On va la prendre après. J'imagine. It's like having a picture taken. With the most expensive camera in the world. You know. Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Alors, ouais. Ça peut donner des vibes de Dead Space, ouais, sauf que c'est dans l'océan au lieu d'être dans l'espace. Comme avec les soupes, là, genre, je sais. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him?
He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? That's so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. C'est weird de se voir comment est-ce qu'on était. Mm-hmm. On était vraiment juste comme l'affaire qu'on a mis dans le truc là, là, dans le fond, ouais. En arrière. C'est cool. Tu vois, je sais ce qui se passe là. Tu veux électrocuter X-Simon? C'est ça. On pèse-tu sur la switch, si je sais la trouver, ou... Ben, c'était sur le piton de la fréquence où est-ce qu'on était. Ah, ok, ouais. Fait qu'on le fait dessus, ou non? Regarde, si ça avait été une autre situation, puis qu'on serait dans une place plus confortable, je l'aurais pas faite. Mais là, il est tout seul à cette place-là, pas de Catherine, puis juste enfermé dedans de ce bureau-là, moi, je le fermerais. Comme avec le début d'hallucination qu'il y avait peut-être. En plus. Ma fonction de la batterie. C'est qu'on peut même pas le faire. Non, non, c'est... Il est en train de drainer. Si je comprends bien. Ok, oui, il commence à... Ok, il m'en perd là, c'est ça. Go to sleep. Sorry, ma doule. Sorry, moi-même. Ouais. Sorry, me dude. Mais c'est ça. Je pensais moi aussi que ça aurait été quand même un transfert. Genre, j'aurais pas pensé que c'était comme copie. Ben, c'est vrai que c'est logique en même temps que c'est une copie. Ouais, c'est copier-coller. Pas juste genre mm-hmm. cut puis copie. Mm-hmm. Je comprends par exemple que Catherine elle comprend pas la situation, que si tu le laisses là tout seul. Il n'y a rien à vivre, là. Genre, il va juste comme s'emmerder, puis devenir fou. Ben, j'imagine qu'elle a peut-être compris un peu, c'est pour ça qu'elle a donné l'option de vider la batterie. Peut-être. Par exemple, si moi, elle était fucking rude. Ouais, c'est comme il dit qu'elle est disgusting, là, je trouve ça extrême, là. Ouais. Je pense. C'est quand, prochain, tu vois? On va se lire en premier, puis on verra. Apparemment, c'est celle-là. J'imagine qu'on va aller voir l'autre. Ça en est peut-être deux, Marc-Ben, tu peux descendre en haut. Ce serait weird, mais peut-être. Ben, en même temps, s'il y avait beaucoup d'équipes, genre, que si c'était prévu pour avoir beaucoup d'équipes, ça pourrait être logique qu'ils mettent comme plusieurs. Accès pour qu'il y ait comme, mettons, une équipe qui monte puis une équipe qui descend, comme par un ou l'autre. Je sais pas comment dire. Ouais, non, c'est logique, mais... Genre, au début, j'aurais pensé qu'il y en aurait peut-être eu un. Ah, OK, ouais. Un pour juste monter, puis l'autre juste pour descendre, mais ça, genre, il faudrait qu'il mette tout le temps qu'il change tout le temps la navette d'un bord puis de l'autre. Ou puis qu'il, ouais, qu'il descende tout le temps la même. Ça. En plus, moi, je le dis plus pour qu'il y ait une rotation, genre que les gens soient pas limités d'attendre genre comme X nombre de minutes que l'affaire monte enfin ou... C'est genre quasiment 3 heures qu'il fallait attendre? Ah, oh, me semble. C'était vraiment... C'est genre 140 minutes, 170 minutes, quelque chose de genre, je sais pas.
140 minutes, me semble qu'elle disait. Are we done here? Yeah. Activate the clamor, please. Sure thing. 5 passagers. Apparemment. J'ai l'impression que ça va pas se passer bien, il me semble. Est-ce que j'ajuste ça? Ok, justement. Fait que tu peux le mettre à arrêter, le faire monter ou le faire descendre avec cette affaire. Puis la limite, c'est 6 passages. 6 passages. Pas chou chou chou. Ouais. La zone avec lumière du sol. Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. It basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, c'est comme si c'était hier, le even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Catherine? Kath? Hello, Catherine? Elle avait l'air de rusher quand même plus. What happened? On était rendu en bas, quasiment. Quasiment, ouais. On peut même pas la ramasser.
Mais ne mets-toi pas à bouger de même en plus, mon esti. Peux-tu ouvrir ta arme de poche? Ooh, that's pretty. C'est en train de descendre. Ça fait juste une chambre. En fait, les fils ont peur de bouger, fait que je pense que c'est nous autres qui bougent trop, mais pas descendre. The power blacked out for a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Parce qu'on commençait déjà comme à avoir la vision un peu wobbly ou whatever. Does time freeze when you're not powered? Time is emitted when you're not emitted. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Tu peux-tu regarder ce côté? Thanks. Je regardais l'écran parce qu'il a changé. Quand on voyait en même temps comme la profondeur qu'on avait. Bonjour. Ok. Hi. Hello. Mais encore? Oui. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. On a juste manqué 500 mètres. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following your own footsteps, Kat. When I have footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. J'imagine tu comprendrais un peu plus comment est-ce qu'on se sent par contre si tu verrais ton autre toi. Ça dépend. Adler est assez positif pour ça. Il y a ça. Il y avait des descriptions pour les zones qu'on descendait, mais... Il est en train de parler. Ouais, c'est ça. Tout le long, il parlait. Fait que je sais pas qui voulait dire. Puis là, ça dit que erreur, le lien avec le lumeur est besoin est nécessaire pour appeler le climber. Mais il est là, même, même pas eu besoin du lumeur. Je pense que je vais aller voir là si tu fais de la musique inquiétante demain quand je fais juste m'approcher un petit peu. Mais...
c'est de l'ambiance. Mm-hmm. Des enregistrements de SCA. Fait que ça commence par. Le SCR, c'est justement l'ascenseur. Fait qu'on a le 3 août 2103. De fou, c'est quasiment comme un tonnerre. C'est signé par Julia Dahl puis Richard Holland. De cette dit collection d'échantillons, puis une évaluation physique. Sinon, on a DEP, le 3 aussi. Que c'est signé par les deux mêmes personnes. Puis ça dit check vraiment une section d'auto. Ouais, je sais pas si ça c'est comme il monte, puis ça c'est qui descend, DEP. Peut-être. Non. Arrival puis Depart. Ah, oh, ouais, ouais. Et ce serait le contraire. Ça, ils arrivent puis ça, ils partent. C'est logique. Je sais pas. Je comme ça. Le 13 septembre. Ouais, le 13 septembre 2103. Puis ça dit l'évacuation de Tau. Le DEP, ça dit que c'est échoué. Donc, quelques heures plus tard. 3 heures plus tard. Le 26 décembre, c'est AAR. C'est. Je n'ai pas pensé à dire c'était qui. Pour l'affaire de l'évacuation de Tau, les deux, c'est Alan Waldeck et Jiadar. Le 26 décembre, c'est signé Catherine Chun, Jan Pedersen, Sarah Lindwall, Nikolai Ivashkin, Jasper Hill. Ça dit qu'ils emmènent le ARC à Fai. Puis le 28 décembre, c'est signé par Alan Waldeck à distance, puis rien de comme description. Fait que eux Catherine et tout, ils n'ont pas eu de DEP. On peut faire un peu. Ok, non, c'est pas grave. Y'a pas ça? Le dernier user a pas log out test disk. Ouais, Catherine, pis le dernier user n'a pas log out. Ben, ce serait. Le dernier user, c'était à distance. Ouais. Tau? Come in, Tau. Please answer, Tau. Des points de connexion de communication? On dirait. Ah, j'imagine que c'est logique à côté de l'ascenseur. Là. Il y en a pas de communication. Ça donne quasiment l'impression de voir sans lunettes. Ouais, hein, c'est comme tout en flou. Je sais pas si je dois déjà aller là. Genre, c'est pire pour de vrai, mais c'est une base. Quoi? Fait que c'est dit attention, des activités. Outline, je sais pas si c'est ça que là. C'est des torrents forts qui sont prévus. Courant peut-être ou... Ligne de courant, je pense que moi ça fait juste me donner une ligne de faute. En fait, c'est. Bon, je pense que c'est courant, c'est rien de là. Petit.
c'est la version motte. Mais ouais, c'est ça, c'est comme... ouais. Il faut faire attention dans les profondeurs de même, quelque chose qui est éclairé, il cache peut-être quelque chose d'autre. C'est vrai, maintenant tu dis. Justement, il y avait une image d'un... d'un des poissons de même. Ouais. Anglerfish? Anglerfish, ouais. C'est quoi en français? Je l'ai sous toute la langue. Anglerfish. Un bourgeois. Jesus, did you see that? Ouais, c'est ça. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the world is out of control. She needs to get to Saren. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! The light is over there! Final push, Ross. Almost there, we just... Look out! Fait que... Merci. On reste dans le mien. Ouais, mais... Tu sais, il y a des choses à explorer à l'extérieur. Ouais. Il était à lumière, là, lui. Là. Mm-hmm. Son corps a peut-être bougé avec l'eau, hein. Danger, restez proche de la lumière. Le bleu amène à Tao, le rouge amène au climber. Mais là, tu te fais tromper par les... Ouais. Par les jellyfish. C'est un mix. Non. C'est cool quand même comme principe. Yeah. Ouais, d'un bord puis de l'autre, là, de même. Là, c'est vraiment awesome. Bien passé. Ouais, comme... Tu vois, il y a du rouge, je vois, là. Ouais, mais c'est pas ce type de lumière-là qui parle. Fait que le monde qui sont... Je suis dans la lumière, là. Ouais, ouais. Pas censé m'attaquer. Fait que le monde qui sont à cette place-là, techniquement, ils seraient supposés savoir... C'est quoi qui est rouge, qui est pour aller en quelque part, c'est quoi l'on peut. Wouch, wouch, wouch. J'imagine on voit les courages justement qui arrivent là. Fait que là, c'est genre, on est à 325 mètres tard. 525 mètres? 500. Quoi que ça arrive aujourd'hui, là? J'ai la misère avec mes chiffres en crise. Un petit peu. Genre, je vois comme il faut, mais mon cerveau les sort pas comme il faut. Ça marche. Je fais ouais. Si je fais un petit peu de dyslexie, genre, pis. Comme quand je suis plus fatiguée, ça sort plus. Fait que c'est probablement un peu dans ce genre-là. Mm-hmm. Inventaire. À rien. Inventaire à rien. On a rien. Dedans, ouais, non, dedans l'inventaire. Fait que des leurs. Rester lure encore, c'est la seule affaire qui a l'air de rester. Toutes les autres affaires, c'est 0 kilo ou 0 pièce ou vide. C'est des lures allumées, dans le fond, pour les animaux. Tant que c'est pas des animaux, on craque. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai comme hésité un peu en disant. Ouais. Des lures artificielles, puis sinon, on a des réfléchissantes aussi artificielles. Pour chacun. C'est ça qui est marqué « Wouah » sur l'écran. Ah, ouais. Wouah, yo. On dirait peut-être « Tao », puis ça, je sais pas... Ah, peut-être. Comment « Wow ». Wow.
Observation numéro 134. On voit pas vraiment l'image. Tu es comme essuyer. Un shark upside down. Ouais, c'est ça. L'allure, c'est des. Squid, sais-tu pas? Un calmar. Calmar? Ouais, c'est ça. Fait que du calmar séché, 1 kilo. Puis 60 pièces de Anima LAL. C'était Thomas Illuminating, les lures allumées comme artificielles. La caméra, c'est quoi d'HDR? Les résultats, ouais, c'est des requins. Un requin de 150 cm. Numéro 170. On peut descendre, non? Ah, ben oui, merci. Description, c'est un rare requin qui a approché l'allure lumineuse. Il a tourné autour pour manger le calmar séché. C'est juste anormal. Peu probable. Ouais, c'est peu probable qu'il fréquente ces profondeurs-là. C'est une anomalie. C'est signé par S. Place. Hey, c'est notre guide de tantôt. Notre guide de tantôt? Lui qui s'est fait manger. Avec Ross. Ah, ok. Sinon, le numéro 172, c'est les lures illuminées aussi. Un marlin bleu de l'Atlantique, 42 kg. 40 pièces d'anéma rotite, le réfléchissant. Puis les résultats, c'était un géant. Calmar de 1200 cm quand même. Description. Manteau, ce serait comme ces espèces de. Ah non, le manteau, c'est comme son bec, je pense. Ben, c'est pas son flap-flap de tête, ça? Je sais pas. Genre, c'est comme un triangle avec un genre de bout qui descend en bas. Ok. Fait que ce serait comme ces trucs de tête. Qui sont la grosseur d'un homme. 170 à 200 cm. L'estimation de la grandeur de la chose au complet est de 10 à 12 mètres. Des attaques frénétiques ont déchiré en entier le marlin. Aussitôt qu'on a ouvert les lumières, il s'est rapidement enfui. Clairement, une autre espèce affectée par la fuite de gel de structure. Partiellement couvert d'écailles. Et des nouvelles formations de structures d'os qui sortaient à travers son tentacule. C'est esclasseur aussi. Sinon, l'observation numéro 188. Fait que Lucie, elle est lumineuse. Puis, dans le fond, c'est 15 pièces qui ont été utilisées. Puis, 25 pièces de réfléchissante. Sinon, les résultats, la cible, c'est une inconnue de 40 cm. Ah, là, vous connaissez pas des anglofish? Description. La créature est défigurée par le gel. Son maniaque, mettons. Les vont attaquer n'importe quoi. Défigurée par le gel. Ouais. Ouais, excuse-moi, c'est vrai, je ne vais pas bien prononcer. Puis ils vont attaquer n'importe quoi. C'est encore difficile de déterminer comment est-ce que le WoW a affecté leur façon d'agir. Dépasser dans le fond comme l'agression apparente puis l'affinité avec la lumière.
Les créatures semblent chasser quelque chose en particulier. Quelque chose de pas présent dans cet écosystème. OK. Ça, c'est les statistiques. Item 1. C'est une des sortes de baleines. Genre, il y en aurait qui reviendraient, ou? On dirait. Calme-moi. Les anglofish, il n'y a pas de rien. Fait que là, ils sont apeurés par la lumière, genre. Ouais. Mais juste ceux-là, ça disait ça. Là, après ça, ici, ça dit comme qu'ils ont une affinité avec la lumière. Fait que genre, il y en a qui vont être attirés par la lumière, puis d'autres qui vont être apeurés. Ben, les petits poulpes étaient attirés par la lumière. Le gros tantôt avait pas l'air d'aimer la lumière. On s'en va vers la rouge. J'ai peur d'avoir de lumière vers là. Je m'en vais vers où après? Vers le bleu. Ouais, mais c'est ça, il y a tout. Il y a pas de truc à ouvrir encore. Excuse me? Holy fuck. On n'est pas là. Je suis plus sortie. J'ai plus sortie. On a du poisson innocent. Es-tu encore là? Bonne question. Pense que non, Pyrone. Pyrone est où? C'est ça le problème? On arrive de pas. Suivez les lumières vers ta terre? Ok, faut que je m'en. Ok, on continue. Ah! Je suis contente de pas voir plus par là. Ouais, ouais. Imagines-tu la force des courants qu'il y a pas, hein? Pour que les affaires bougent de même, ouais. Ça s'est levé au moins ici? Ouais. Assez bien. Je sais pas ce que je suis censé pouvoir faire avec ça. Bonne question.
Can you hear this? Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Si un fil lousse de même, hein, je pense pas que ça va nous activer l'électricité, mais ok. Quand tu y touches pas. Un garage. On peut parker notre corps, tu sais. Si tu es censé me servir à quelque chose, on va faire ça. Allumer des lumières sur le chemin. Ah, peut-être. Parce que c'est ça. Je suis pas sûr que je veux vraiment aller sur ça. Mais oui. Fait qu'on a le statut. Ils sont pas capables de prendre la date. On a le contrôle. L'observatoire. Le beacon est hors ligne. Le point d'atterrissage, mettons, de l'ascenseur qui est hors ligne aussi. Tau. Je vais falloir que je suive. On dirait. C'est une lumière, fait que on n'a pas le choix. Tu veux pas d'aller trop vite à un moment donné, Madou. Ah ouais, faut peut-être la lumière qui flicker aussi. Why not? Pour être sûr qu'elle fonctionne. Lumière. Fait que ta lumière a été mangée. Je suis les vertes, j'imagine? Probablement. Il y a l'option d'aller dans un autre tunnel qui n'a pas de lumière. Ou suivre avec la lumière. C'est qu'est-ce qu'on fait? Un tunnel, pas ce... on se lui avec qu'il n'y a pas de lumière, je sais pas où. Ouais? Ben ouais. Prends-moi un cul-de-sac. Bien sûr, non. Arrête. On vient voir la lumière éventuellement. On somme. Ok.
ça sent pas mal à la lumière d'anglefish, ça. Ouais, fait que le fil s'en va par où? Par où? Faut faire confiance à toutes les lumières. Ben, ceux qui sont ronds ne fit pas vraiment avec les droites à date qu'ils ont utilisées, fait que... Ouais, non, c'est ça. Arrives-tu bien, toi, à ta haut, là? C'est loin. C'est ça? Puis on voit pas grand-chose. Aussi. J'espère que j'ai pas manqué de lore en chemin. Ce serait weird, parce que si tu t'éloignes trop, tu meurs. Je sais pas, c'est clair que je jouais comme il faut, s'il y avait des choses, je sais pas. Il y a plein de lumière ici, je sais. Qui nous suit. Bonne idée. Ça arrive tout le temps, genre quand on est dans des sections que l'eau passe. Ouais. Never been happier to be inside. Let's find the ark. Ça me reprend pas qu'est-ce que tu as trouvé à l'intérieur ici quand même. Un suit of. Ah, une section. Un blob. Hein? Un suit of goo espère. Ouais? Ouais. C'était un bout quand même stressant, ça. Tu voyais pas grand chose. Et tu devais pas mal te dépêcher. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys alright? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son, we're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Fait que c'était même pas vrai, genre, l'évacuation qui avait échoué. On dirait. Je pense qu'on va arrêter. Ouais, ok. On va laisser l'exploration de Thao pour le prochain stream. Alright. C'est une bonne place pour arrêter. Yep. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Techniquement, ça serait mardi en après-midi qu'on va revenir vers 2h30, 3h de l'Est. C'est ça. Merci aux personnes qui sont venues. Thank you for coming. Et à la prochaine. See you next time.